Et nos regards et nos caméras se tournent vers ce visage. La belle Elvire Teza, réunionnaise, mais qui s'entraîne à Marseille également. Alors, observez l'originalité bientôt ici. Un premier lâcher très enlevé en Jaeger. Et maintenant, combinaison originale en soleil dorsal. Voyez, elle part. Ici, il nécessite une grande souplesse de l'articulation. On remonte sur cette barre supérieure où la plus grosse partie du travail s'effectue. Changement de face, encore grand tour dorsal. Accélération double avant. Beaucoup d'amplitude sur cette sortie. Et j'allais dire, c'est meilleur que Laetitia Béguet. Je pense que c'est meilleur. Les juges apprécieront, c'est à eux de déterminer cela. Les combinaisons sont différentes. Étonnante, ils ont de 14 ans. Alors que 7,95 pour Mickaël Laurent, mais c'est la note de Casimir qui nous intéresse. On revient sur le ralenti tout de suite de mademoiselle Teza. Regardez ce passage original, ça, prise d'élan dorsal sur la barre. Grand soleil dorsal, c'est très original, c'est une façon plaisante et distinguée, je dirais, d'aller à la barre inférieure. Ah, ça c'est de la précision. Et ce lâcher qui va intervenir maintenant, avec sa sortie bien dominée, bien maîtrisée. C'est une sortie difficile.